Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui on va ouvrir donc la partie 3 des Dragon Ball Super Card Game, le monde, enfin les mondes croisés plutôt. Aujourd'hui on a 20 boosters dans cette box, même 24 boosters, à chaque fois je me trompe, avec donc 12 cartes. Alors premièrement, petite carte de Piccolo, c'est la carte promo, je pense, il me semble qu'il y a une carte promo par box. Ici on a donc les boosters avec Goku Ultra Instinct, Gotenks SSJ3, Ozaru et c'est pas Demigra, je sais plus son nom lui, c'est le perso dans Xenoverse. Alors regardons plus précisément ce qu'on peut trouver dans cette série. Il y a donc 60 cartes communes, comme on peut voir juste là, normal or foil version, je sais pas du tout ce que c'est foil version, ça doit être une version brillante. 30 peu communes, 18 rares, 14 super rares, 4 spéciales rares et une secrète rare. Autant vous dire que si j'ai la secrète rare, je serai l'homme le plus heureux du monde. On va commencer donc avec ce booster. Ah, c'est Mira son nom, voilà, je m'en souviens. Mira en peu commune. Ça c'est quoi? C'est du peu commune aussi. Badak en Ozaru. Peu commune de Goku SSJ3. Kaioshin du Sud en commune, Bulma en commune, Shenshen, Majin Protectrice, je ne sais absolument pas qui c'est, ça doit être une meuf de Xenoverse ou Heroes en commune, Docteur Gero en commune, Totepo en commune, ça a mal fait le focus, Oob en commune, Goku SSJ Blue en commune, putain le focus il a du mal, hein, je suis désolé vraiment. Mega Canon Sigma Bisou, je ne sais absolument pas qui c'est. Et on termine avec une super rare de Pan. Bon voilà, c'est pas la meilleure des cartes à avoir en super rare. Pan, c'est pas ultra ouf. Mais bon, c'est une carte super rare, donc ça fait toujours plaisir. Trunks en peu commune. Goku enfant, peu commune. Kaioshin de l'Ouest en commune. Goku GT Super Saiyan en commune, à moins que ce soit Goten, non, il me semble que c'est Goku. Toa en commune, C18 en commune, alors il écrit OR, je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est peut-être pour indiquer la série. Son Goku lors du dernier Budokai Tenkaichi en commune, Bou en commune, Pan en commune, comment elle s'appelle, Kaioshin du Temps. Une rare, la rare elle est plus belle que la super rare. Donc c'est une carte leader, gros bout, qui peut se transformer en bout. Elle est pas mal du tout. Et pour terminer, une peu commune. Alors c'est la même que la... Attends, c'était une peu commune aussi. J'ai peur de dire une bêtise. Ouais, c'est aussi une peu commune. Donc tu peux avoir des peu communes classiques et des peu communes brillantes. Est-ce que ça change quelque chose sur la carte? Absolument pas. C'est exactement la même carte, si ce n'est qu'elle est brillante. Bon, je comprends pas trop l'intérêt, mais bon. C15 en peu commune. Badak. Oh, celle-là, elle est très belle. En peu commune. Une carte encore peu commune, éveil. C'est Sangoku. Voilà, donc c'était donc Sangoku en Ozaru. J'aime beaucoup les cartes de cet effet-là. Commune, Bibidi, le père de Babidi. Conspiration de l'ombre. Avec Badak, Xenoverse. Docteur Mew. J'ai toujours cru que c'était Docteur Gero, lui. Nappa avec des cheveux. En commune, excellent. Mister Satan, le fanfaron, en commune. Ed de Jiru, en commune. Babidi, en commune. Mega Canon, Sigma Nat, en commune. Et Goku, Super Saiyan 2, en rare, de GT. C14 en peu commune, encore une peu commune, du Docteur Mew, qui a l'air de faire, un enfant. Peu commune de Buan. Commune de la planète M2, renouveau de la justice en commune, C14, donc là, ok, on a les films, les persos des films. Jiru, Bou en commune, tout ça, je crois que Docteur Mew, on l'a déjà eu, en commune aussi. Pumpkin en commune, C16 en commune, ou encore une SR derrière. Et Colifla, Super Saiyan 2 en SR, deuxième carte SR. Pour aujourd'hui les amis, ça fait plaisir. Je crois malheureusement que c'est fini pour aujourd'hui. On n'aura plus de SR. Peu commune de C13
en carte leader. Peu commune du grand Kaioshin, Docteur Gero en commune, Pumpkin, Kaioshin du Nord, on l'a pas, du Nord, celle-là on l'a pas encore vue, Commandant Nezi en commune, Marche du Gorille en commune, Trunks du futur DBS en commune, Général Rild en commune, Kaioshin. La SPR ! La SPR, les amis ! La SPR ! Je l'ai ! Là, attends, la SPR, est-ce que c'est la secrète rare ou c'est la spéciale rare ? Parce que si c'est la secrète rare, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Alors je sais pas du tout. Mais on a un Goku en ultra instinct non maîtrisé. Elle est magnifique. Je vais aller me renseigner, je vais aller me renseigner. Elle est magnifique. Trunks de GT en peu commune. Je trouve qu'il a... C'est l'un des Trunks qui a le moins de classe. Goku Black en peu commune. Bisous. Fabrication d'Android en commune. BBD, on a déjà vu. Jiru, et non pas Jiru, l'attaquant qui n'a toujours pas marqué. J'espère qu'il marquera en finale, hein. Ça fera taire beaucoup de langues. Celipa, celle-là on l'a vu. Kintoun, en commune, on a une rare de Sangoku, Gorille indomptable, et une commune. Alors putain, ça fait chier, ça fait maintenant dans les cartes rares, enfin entre guillemets brillantes, on peut avoir des communes juste brillantes, alors qu'avant on avait tout le temps au moins une ou deux rares. C'est un peu dommage. Déjà qu'on n'arrivait même pas à voir toutes les rares dans une seule display. Alors là encore moins. Je me suis un peu emporté, apparemment ce n'est qu'une spéciale rare parmi les quatre, celle-là. La secrète rare c'est Goku SSJ4 et elle, si j'arrive vraiment à la choper, ce serait incroyable. Trunks en peu commune. Je pense qu'on a déjà quasiment toutes les communes. Et même peu communes. Sans Goku, Kaioshin, ça on a vu. Ah, Zamasu, celle-là on l'avait pas encore vu. Kaioshin du Sud on a vu. Jeune Bulma on a vu. Shunshun on a vu. On a vu, commune, une super rare encore, et elle est stylée, Trunks de Xenoverse, ou de Dragon Ball Hero, je ne sais plus, en Super Saiyan, troisième carte, super rare, on a un taux de drop, ah non, il y a 14 super rares, merde, j'ai de la merde, bon, je pensais qu'il n'y en avait que 4, ok, c'est la troisième. D'ailleurs, je suis assez chanceux en taux de drop en ce moment, notamment sur Dokkan Battle. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir. Alors celle-là, on l'a pas encore vue, en peu commune. Commune. Oh, elle est sympa celle-là. Vegeta enfant en commune. Pan en commune. Kakaroto. Quand il arrive sur Terre en commune, Kaioshin. Une rare de Zamasu fusionnée et peu commune de Sangoku brillante qu'on a déjà eue. Telipa en Ozaru. Oh, c'est du peu. Ouais, c'est peu commune. Oh, Topo, en peu commune, on l'avait pas encore vu. Alou Alou, on ne l'avait pas vu non plus en commune. Kaioshin, on a vu. Roi Vegeta, on n'avait pas encore eu. C14, on a eu. Topo, Méga Canon. Ok, donc tout ça c'est bon. Conspiration de l'ombre. Et une rare de Vegeta, SSJ Blue. Je pense que là, on a eu toutes les communes. Ouais, et toutes les communes et peu communes. Donc on va pouvoir passer directement aux cartes rares. En fin de paquet. Il y a quoi ? Il y a du domination de Baby, ok, en rare, et une peu commune de Badak. Celle-ci de Thomas en commune, il me semble pas qu'on l'avait vue jusqu'à maintenant. Tout ça, c'est des communes. Oh, une peu commune de Goku, SSJ3, leader. On l'avait pas encore eue celle-ci, il me semble. Une commune, et derrière, une rare de Toa. On avait plutôt bien commencé hein, en début de vidéo avec les super rares, mais là ça devient un peu plus compliqué. Nouvelle rare, cette fois-ci, c'est Bou. Et nous sommes pile poil à la moitié des boosters, les amis. Oh, celle-là on l'avait pas vue non plus. Trunks, Super Saiyan, protecteur du temps, en carte leader. On va directement vers quoi ça nous intéresse. Une rare pour commencer, celle de Trunks. Et une commune brillante de Toa. Oh, regardez, celle-là, on ne l'avait pas encore eue non plus. La mère, enfin, c'est censé être la mère. Ouais, c'est la mère de Goku, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Qui avait été révélée dans un chapitre spécial. Et une rare, bah, celle de Mira en perso leader. Allez, encore au moins une petite super rare, ce serait cool. Hop, on va aller direct aux cartes qui nous intéressent. Ça... Oh, ça brille bien!
Il y a une SR. Il y a une SR, les amis, et c'est Badak. Badak Super Saiyan en SR. La carte n'est pas ouf ouf, mais c'est une SR. Et ça, ça fait plaisir. Ou celle-là, il ne me semblait pas l'avoir vue non plus jusqu'à maintenant. Celle de Vegeta ainsi que sa planète. On va aller directement vers ce qui nous intéresse. Juste une rare. Oh, par contre, elle est magnifique. Sangoku Genki Dama Ultime, lorsqu'il extermine Bou Pur, elle est super belle celle-là. J'adore. 1, 2, 3, peu commune. Oh, Kibitoshin, C17. On n'avait pas vu ces communes-là non plus. On va aller. Une rare, hyper méga rilde, juste derrière. Une commune brillante de la Kaioshin de l'Ouest. Plus que 7 boosters. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts, les amis. Commune, je vois une rare. Oh, Roi Vegeta. Roi Vegeta en Ozaru. Pas mal du tout. J'aime beaucoup les couleurs de l'Ozaru, notamment la couleur de ses cheveux. Je la trouve vraiment bien réussie. Allez, sors-nous la secrète rare. Sors-nous la secrète rare, s'il te plaît. Une rare de Pan en personnage de leader. Voilà. Putain, j'ai du mal. Oh là là, je vois que ça brille. Je vois que ça brille avec une SR. Et encore Goku Ultra Instinct en SR. C'est la cinquième de cette box. Elle est cool. Elle est stylée. J'aime beaucoup le regard de Goku. 1, 2, 3. Là, c'est que des communes. Une rare et une peu commune brillante. J'aime beaucoup la rare de Badak en perso leader. Si on ne l'a pas déjà eu. Et là, bah une peu commune de C15 brillante. Plus que 3 paquets, les amis. Plus que 3 paquets. Espérons. Espérons du très très lourd. Avec une rare du prince Vegeta. Donc en Majin Vegeta. Et une autre commune. Cette fois-ci brillante. Elle est très très belle, celle de Majin Vegeta. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore l'artwork. Avant-dernier paquet. Allez, sors-nous du lourd. Je vois une rare. Oh, Vegeto SSJ Blue en leader. Carte rare. Elle envoie aussi celle-là. Hein. Elle envoie du pâté. Et l'ultime, c'est Goku Ultra Instinct. Allez, sors-nous du lourd, s'il te plaît, Goku. On a tous confiance en toi. Sors-nous la secrète rare. Je sens que tu peux le faire, même l'ordi. Oula, oula. Eh bah non, ce sera juste une SR. Mais quelle SR? Badak SSJ3. Allez, petit récapitulatif des cartes rares qu'on a eues. Des rares, alors ça c'est le pire. On en a eu 17 sur les 18. Franchement, c'est inadmissible qu'on n'ait même pas toutes les rares dans une seule box. Je sais, je le dis à chaque fois, mais quand même, ils pourraient au moins nous donner toutes les rares. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Hein. On a eu 6 super rares, Goku Ultra Instinct, Badak Super Saiyan, Trunks Xeno Super Saiyan, Caulifla Super Saiyan, Pan et Badak SSJ3. Et pour terminer, bah, une seule SR, celle de Goku Ultra Instinct. Terminer une seule spéciale rare, celle de Goku Ultra Instinct. Voilà les amis, comme d'habitude, si vous kiffez les unboxings de cartes Dragon Ball, le petit like, lâchez dans les commentaires ce que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez pensé de ma box, si le taux de drop était plutôt bon. Et bah écoutez, bah moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.